Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet ordinateur. Il s'agit du modèle HP Pavilion All-in-One 27-A103NF. Alors l'ordinateur se compose tout simplement de ce grand écran 27 pouces et rien d'autre. Il n'y a pas d'unité centrale puisque tous les éléments sont intégrés dans l'écran, que ce soit le processeur, la carte graphique, la RAM, etc. On trouve par contre des accessoires, ce clavier HP sans fil et cette souris ambidextre sans fil HP, donc chaque périphérique nécessite deux piles AAA pour pouvoir fonctionner et les piles sont fournies. Au niveau des caractéristiques techniques de cet ordinateur, on a un processeur Intel Core i7-6700T, 3600 MHz, donc on est sur la 6ème génération des processeurs Intel, la famille Skylake. Au niveau du GPU, la carte graphique embarquée est une Nvidia GeForce 930MX. À noter que la carte mère embarque également une carte graphique Intel HD Graphics 530. L'écran, j'en parlais il y a quelques instants, c'est du 27 pouces en Full HD pour la résolution 1920 par 1080 pixels. On a une dalle IPS. Au niveau de la mémoire, l'ordinateur il embarque 8 Go de RAM en DDR4 et non pas en DDR5. C'est extensible à 16 Go. Et le module de RAM, c'est du Samsung. Le disque dur, ce n'est pas du SSD, c'est du HDD, attention. On est sur de la gamme Blue chez Western Digital en 2 Teraoctets. Enfin, le système d'exploitation, c'est Windows 10 en édition familiale. Il est préinstallé lorsque on allume pour la première fois l'ordinateur. Alors, le processeur, un petit peu plus de détails, c'est un 4 cœurs avec 8 mégas de cache et une fréquence de base à 2,80 GHz et en mode turbo on peut monter à 3,60 GHz. La carte graphique, donc j'en parlais il y a quelques instants, la GeForce 930MX, elle est sortie en mars 2016. Son processeur graphique, c'est le GM108. Elle repose sur une architecture Maxwell et elle est cadencée à 952 MHz avec un boost clock à 1176 MHz. Attention, j'ai effectué une batterie de test de performance avec cet ordinateur sous AIDA 64 et moi j'obtiens 901 MHz en test de performance. Elle est pourvue, la carte graphique, de 384 cœurs, d'une mémoire de 2 Go en DDR3, d'un bus 64 bits et d'une bande passante de 14,4 gigabits par seconde. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques techniques du produit. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous parler un petit peu des connectiques. L'ordinateur, il est pourvu de connectiques frontales et arrière. Au niveau des connectiques frontales, elles se trouvent ici. Et je vais vous les décrire. Donc de gauche à droite, on a tout d'abord un port USB type C. Ensuite, on a un port USB 3. Une fiche qui joue le rôle d'entrée-sortie audio, un lecteur de carte SD et tout à droite, là-bas, c'est le bouton marche arrêt de l'ordinateur. Je vais retourner l'ordinateur pour pouvoir vous montrer les connectiques que l'on trouve à l'arrière. Juste avant, je vais juste vous montrer ce qu'on a tout en haut de l'écran. Ici et ici, ce sont les microphones et au centre, on a une webcam avec une résolution de 1 mégapixel. Voilà, alors je tourne l'écran. Il est un petit peu lourd, hein, mais il pèse 10 kg, donc ça apporte une bonne stabilité au PC. Là, vous le voyez d'ailleurs monté sur son support. J'ai pas trop parlé du design, hein, j'y viendrai tout à l'heure. Je vais terminer ma présentation des connectiques. Donc, à l'arrière, on a de gauche à droite deux ports USB 2. Ici, c'est un port USB 3. Là, c'est la fiche d'alimentation. Ici, c'est la prise RJ45. Et tout à droite, c'est la sortie HDMI. Ce que vous voyez là, c'est le lecteur optique. En appuyant ici, lorsque l'ordinateur est allumé, le lecteur sort. Et on va pouvoir lire ou graver des CD ou des DVD. Attention, les Blu-ray, ça ne marche pas sur ce modèle-là, en tout cas. Au niveau de l'inclinaison de l'écran, on va pouvoir exercer une petite rotation de l'écran, comme ceci. Alors, l'amplitude est limitée. Et on ne peut pas ajuster l'écran en hauteur, hein. C'est juste une inclinaison de ce type, comme je suis en train de vous montrer. Après, pour pouvoir fonctionner, l'ordinateur a besoin de ce bloc d'alimentation qui est fourni. Attention, le cordon qui relie le bloc d'alimentation à la prise de courant est court, il fait 1 mètre. Voilà, il faut le savoir. Je vous propose de vous retrouver dans la deuxième partie de la vidéo pour vous montrer cet ordinateur en fonctionnement
Et puis dans la dernière partie, je ferai un petit tour des points positifs et points négatifs de cet ordinateur. Après, pour ce qui est des tests de performance, vous trouverez tous les détails dans le commentaire qui est associé à mon test vidéo. A tout de suite. Actuellement, sur la vidéo, vous voyez le HP All-in-One allumé et j'ai généré un rapport de performance sous Zeida 64 Extreme Edition. Un rapport qui fait à la fois une analyse détaillée du matériel présent dans l'ordinateur, des logiciels installés par défaut et enfin un test de performance. Donc ce test de performance, je vais le reporter sur mon test écrit que vous trouverez annexé à la vidéo. Donc tous ceux qui sont intéressés par les résultats qu'on obtient avec cet ordinateur, eh bien, je vous invite à lire le test. Vous pouvez peut-être voir là sur la vidéo quelques résultats rapides avec le HP Pavilion qui est mis en gras. Et à chaque fois qu'on regarde les résultats du test, eh bien, on voit qu'il se situe plutôt en haut du panier, ce qui est tout à son honneur. Voilà. Il est simplement dommage, à mon sens, de ne pas avoir incorporé de disque dur SSD puisque dans cet ordinateur on a un disque dur HDD, c'est un Western Digital Blue de 2 Tera et ça aurait été pas mal pour améliorer encore les performances de trouver un disque dur SSD pour le démarrage du système d'exploitation, voilà un SSD dédié au système. Alors là vous avez la fenêtre des caractéristiques sous Witto 10 et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est la version familiale qui est installée par défaut. Au niveau de la mémoire interne, on est sur 8 Go, c'est extensible à 16 Go. Le processeur, on est sur un Intel Core i7 6700T, comme j'en ai parlé dans la première partie de la vidéo. Après, j'aimerais juste vous montrer le rendu qu'on obtient. Alors c'est un écran par défaut sous Windows, et vous voyez que on a un affichage très agréable, une bonne luminosité, un bon contraste. Et pour avoir passé plusieurs heures devant l'écran et à de nombreuses reprises, je n'ai pas ressenti de fatigue visuelle en travaillant. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et c'est, je trouve, un très bon écran. Voilà, donc Windows 10 installé par défaut en édition familiale. On va trouver dans les applications la suite Office. Et on va nous demander de l'activer quand on la démarre. Alors on a Excel, on a Excel 2016, on a Word, on a PowerPoint, voilà, Publisher 2016, etc. Bon, ça c'est pas mal. Après, voilà, il y a une activation demandée. Alors on a la possibilité de faire le test d'Office 365, comme vous pouvez le voir, pendant un mois. Et après de l'activer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le PC? Ben, je pense que je vais vous montrer un petit peu les points positifs et points négatifs. Donc on va se retrouver dans la dernière partie de la vidéo où je vais faire une petite synthèse sur cet ordinateur. Commençons par les points positifs de cet ordinateur HP Pavilion All-in-One. Ce que j'apprécie tout d'abord, comme l'ordinateur porte bien son nom, c'est son côté tout en un. Le fait que tous les composants soient incorporés à l'écran et qu'on puisse s'en servir immédiatement après l'avoir branché sur l'alimentation. Ensuite, ce que j'apprécie, c'est que c'est un ordinateur relativement silencieux. On a un petit souffle qui peut se faire entendre, il est très léger par la partie supérieure de l'écran. D'ailleurs, ça souffle pas bien chaud non plus. Et ça, c'est vraiment appréciable dans une pièce de pas du tout, quasiment pas entendre l'ordinateur lorsqu'il est en fonctionnement. Après, bien entendu, j'apprécie le grand écran lumineux et confortable, la bonne stabilité du support qu'on a à l'arrière. Alors l'ordinateur il est un petit peu lourd mais son support en contrepartie est très solide et il est robuste.
Continuons avec les points positifs. Je trouve le design de cet ordinateur réussi au niveau des coloris, au niveau de la forme qui est épurée. Au niveau des coloris, on a des tons blancs. Le support est ton typé gris alu. Moi, je trouve ça réussi. J'apprécie l'utilisation de connectiques récentes. Comme j'en parlais dans la partie 1 de la vidéo, on retrouve de l'USB type C, on retrouve de l'USB 3. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça en fait un ordinateur moderne et actuel. La notice de démarrage, elle est rédigée en français, elle est claire et concise. J'apprécie le fait que dans le clavier et dans la souris, on ait déjà les piles qui soient fournies. Alors dans chacun des périphériques, on a besoin de deux piles AAA. Ce sont des Duracell qui sont fournies. Ensuite, j'apprécie le fait que la souris soit ambidextre, donc elle conviendra aussi bien au droitier comme au gaucher. Et j'apprécie la présence du lecteur graveur optique sur le côté. Et il est quand même relativement discret. Voilà. C'est quand même bien en 2016 d'avoir maintenu un graveur optique sur un PC de ce type. Après, j'apprécie le fait que Windows 10 soit installé, soit pré-installé dans l'ordinateur, même si c'est l'édition familiale. Le clavier, il est plutôt silencieux. Et enfin, j'apprécie le fait que l'ordinateur bénéficie d'une bonne protection dans son emballage. Au niveau des points négatifs, alors pour moi, le plus gros point négatif, c'est l'absence de disque dur SSD dans l'ordinateur. Ça, c'est pour moi la bête noire de ce PC. C'est dommage que le constructeur n'ait pas intégré un SSD dédié au système, ce qui aurait accru les performances. Après, je pense que des ports USB 3 en supplément auraient pu être bienvenus. On va en avoir un devant, un à l'arrière. C'est pour moi trop peu. Voilà, on a bon, bien sûr deux ports USB 2 pour compenser, mais ça aurait été pas mal de trouver deux ou trois ports USB 3 supplémentaires. Après, les connectiques frontales qui se situent en dessous, là, je les trouve pas forcément pratiques d'accès. J'aurais bien aimé qu'elles soient déportées sur la gauche, de manière à plugger plus facilement, par exemple, la fiche du casque audio ou brancher plus facilement sa clé USB. Après, l'écran, il est inclinable dans un certain sens, mais il n'est pas ajustable en hauteur. Ça, c'est un autre petit point négatif. Et au niveau des périphériques qui sont fournis, je trouve que la souris comme le clavier sont de qualité moyenne. Et la coque supérieure de la souris n'est pas très rigide. D'ailleurs, je la trouve plutôt même fragile. Voilà. Après, l'ordinateur, il est bien stable. Mais en contrepartie, il est assez lourd, faut le savoir. Il pèse environ 10 kg. Et le dernier point négatif que je lui trouve, c'est le cordon d'alimentation. Qui est un peu court. Alors, il est un peu court entre le bloc d'alimentation et la prise de courant, puisqu'on a simplement 1 mètre. Mais entre l'ordinateur et le bloc d'alimentation, on a également du cordon. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. J'ai essayé de faire en tout cas un test le plus détaillé, le plus précis possible de cet ordinateur HP. Vous trouverez d'autres détails dans mon test écrit qui est annexé à la vidéo. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt, merci.